Salut à toi, jeune Padawan, c'est Shane. Je suis tombé sur une chaîne YouTube qui s'appelle Stevie. Ce YouTuber fait des millions de vues par mois. D'ailleurs, je me suis abonné à sa chaîne, même activé la cloche. Ce gars-là, c'est un boss, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait avec le jeu Minecraft. On connaît tous, hein. C'est un jeu très très bien, mais blindé de pixels. C'est pas un jeu réaliste de base. Hein. Et là, il s'est dit, le mec, que je vais faire les choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le jeu. Il a pris un seau d'eau. Ah. Si t'as déjà joué à Minecraft dans ta vie, ta tête, elle bug. Elle bug. Ah. Mais regardez cette eau. J'adore. Alors, Minecraft, c'est le jeu de base. Et sur ce jeu-là, tu peux mettre 1 milliard de mods. Attends, mais qu'est-ce qu'il y a à faire avec la TNT? Ah, mais dans un puits. Pas mal, hein, pas mal. Au fur et à mesure de la vidéo, ça va être de plus en plus réaliste et satisfaisant. Et ce que j'ai envie de faire, c'est un objectif. Bon, j'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos Minecraft, même si j'en ai déjà fait à l'époque. Mais ça, je suis chaud d'y jouer réellement. Et d'en faire une vidéo, un gameplay dessus. Et pas seulement réagir. Pour ça, les gars, objectif de like monstrueux. Waouh. Combien on va demander aux abonnés? J'ai pas envie de vous donner un objectif. Ah ouais, vas-y, c'est faisable. Non, non, je veux donner un objectif qui soit intéressant à atteindre, ok? 70 000. Non mais c'est bon parce que les 50 000, non, je suis chaud. La lave avec l'eau. Alors ça fait quoi comme pierre, vous savez, hein? Lave eau, qu'est-ce que ça fait? Vous savez pas? L'obsidienne, les refs. L'eau s'écoule à une vitesse par contre. Oh, il a pris une éponge. Hein? L'éponge qui reprend tout l'eau. Il a fait Bob l'éponge là, ma gueule. Oh, c'est satisfaisant. Oh! Quoi? Mais quoi? Mais oui, mais oui. Mais arrête. Est-ce que ça veut dire que les araignées aussi, c'est ultra réaliste? Ah, j'espère pas, ma gueule. Oh, je vais le faire flipper. D'ailleurs, je voulais vous remercier, la communauté, pour les 1 300 000 sur la chaîne. On a encore passé un nouveau cap. Et ça, c'est grâce à vous tous. Si tu veux faire partie de la team des déchaînés, abonne-toi, tu pourras toujours changer d'avis. Il est en train de faire pousser l'herbe, là. Arrête, avec de la poussière de squelette, ça. Je pense que c'est un de mes items préférés de Minecraft, c'est ultra cheaté. Quand t'as la flemme de faire pousser tes roseaux, quand t'as la flemme d'attendre que ton blé pousse sous tes carottes, bam! Snowblood, ah, c'était de la neige! Waouh! J'ai envie de mettre ma main dedans! J'ai envie de marcher dedans, ma main! J'ai envie de courir tout nu à la... Oula! Oh! Mais mec, tu peux tellement faire un truc, un effet ultra stylé sur tes bâtiments que tu construis. J'aurais trop voulu voir s'il marche dedans et ça laisse les traces. Oh, la boule de neige! Waouh! En plus, il y a moyen que ça fonctionne de ouf parce que moi j'ai un PC ultra puissant, ma boy. Attends, quoi que. Si le mode de jeu là que je vais faire, ça fait ramer mon PC, je m'en bats les couilles. J'ai juste la meilleure carte graphique du monde et je vais pouvoir faire ce truc là. 70 000 like, attention, n'oublie pas ma gueule. Ce qui est chum, c'est qu'il a fait des choses ultra réalistes, mais que pour certains items. Du coup, il y a ce contraste de ouf entre le jeu Minecraft de base, tu vois, où tu vois des blocs, des pixels, etc. Et... Attends, je peux te sauver avec un saut de... C'est un saut de quoi qu'il a utilisé? C'est un saut de quoi ça? C'est un saut de lait? Je savais pas que... C'est faisable ça? Moi je pensais qu'avec de l'eau. Dispenser, oh, de la gélatine. Oh! Là ça me démange encore plus, j'ai envie d'en acheter dans la vraie vie. Ma soeur est fan de ça, je sais pas pourquoi. Elle a de la gélatine dans sa chambre, mais genre des boîtes entières. Waouh! Oh, ça reste sur ton corps et tout, ça s'étale de partout. Et c'est vraiment bien fait. Non mais j'étais obligé de vous partager ça. Et moi quand il y a des vidéos comme ça, vous me connaissez les gars. Ancient Reaction, my boy. Coucou le mouton! Ah, allez, attends, tu vois, qu'est-ce qu'il va te faire? Help me! Il va faire un mouton vert. Attention, il va se transformer en mouton Hulk. TNT, alors moi ce que je veux, si c'est ultra réaliste, je veux une explosion réaliste avec du feu. Ok, c'est encore mieux que ce que je l'imaginais. Oh là 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 là. Je veux faire la même chose. Je veux faire la moi, Steve, 70 000 likes, frérot, on fait un truc à deux. Oh, j'ai mis pause en tapant ma table. Est-ce que je peux remettre play en tapant ma table ou pas? Ah ouais. Attends, pause. Attention, play. Merde. Voilà, trop bien. Putain, j'ai niqué la main. Waouh! Est-ce que si le bug retombe sur toi, tu dead? Monte-nous avec du sable. Oh, c'est encore beaucoup plus réaliste que la neige, j'ai l'impression. Oh, oh là là. The prophecy is true. Objectif de trouver un truc de plus en plus réaliste. Alors ça, c'était le plus satisfaisant de tous. Mais je veux encore un truc plus... Oh, même quand il marche dessus! Oh là là, il marche dessus, ça fait des traces. Oh my god! Waouh! On dirait du caramel. Ah! S'il vous plaît, je veux jouer à ce jeu. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver un moyen de faire ce mode. Oh, il va faire un golem. Waouh, comment la lave, elle coule sur son corps. Des très beaux, très belles couleurs. Hein.
Ah, ça me donne déjà des idées que j'ai envie de faire, ma boy. Oh. Ah ouais, non, mais il a... Steve, les gars, il y aura sa chaîne dans la description, les gars. Steve, le BG. Steve, le fucking boss, en fait. Alors... J'ai une anecdote, il faut savoir que moi ma première vidéo YouTube c'était une vidéo Minecraft, je l'ai faite en 2014. La chaîne est anonyme, j'ai pas envie de vous la partager, ok? Personne est au courant. On pourrait faire une chasse au trésor. Quand j'étais jeune, je rêvais d'avoir mon Minecraft avec des shaders. Qu'est-ce que c'est des shaders? C'est un mode qui permet d'avoir les ombres sur le jeu, d'avoir un aspect beaucoup plus réaliste et beaucoup plus propre au jeu. Et j'ai mis un an à trouver. Non mais les gars, je vous... Non mais les gars, écoutez-moi. Là, c'est un jeu basique, tu vois. Il a pas mis de mode ou rien du tout. Là, il est dans le mode shaders, il vient mettre le mode sus V11. Vous êtes pas prêts? Voilà que ça donne. Alors, il fallait vraiment avoir un PC puissant. Moi, le mien, frérot, il faisait un bruit. C'était 5 PS5 réunis. Son PC, il a 53 FPS. Aïe, aïe, aïe. Oh, l'eau et tout, t'as vu ça? Moi, mon préféré, je sais plus. Je crois que mon shaders préféré, c'était un mot avec cookie. Je crois qu'il y avait cookie dedans. Ah, c'était il y a 10 ans, je me souviens plus. T'as vu les nuages dans le ciel, même le soleil. Tu vois, le soleil, c'est pas juste un carré maintenant. On a vu des modes, mais il y a aussi les packs de textures. Alors là, c'est ce qui va vraiment changer tous les pixels du jeu. Un exemple. Moi, là, je suis en texture ultra réaliste, d'accord? Mais je peux, hop, changer la texture et là, je suis en texture cartoon. Et là, je suis en texture noir et blanc. Et en fait, avec les packs de textures, tu peux aussi changer la qualité du jeu. Par exemple, tu prenais une épée et l'épée, elle était dessinée sur 16 pixels sur 16 pixels. Mais tu pouvais la passer à 32 pixels sur 32 pixels. Donc, elle était deux fois plus réaliste. Sauf que si tu montes à 64 pixels sur 64 pixels, ou voire même plus, 128 sur 128, 256 sur 256, mais là, tellement les pixels sont petits que ça devient de plus en plus réaliste. Et c'est ce que nous allons voir ici. Là, vraiment, je vous parle de vraiment mon enfance. Quand il n'y avait pas encore Fortnite, c'était à l'époque 2012-2013. Je jouais à l'époque en 1.8, 1.6, 1.8. Regardez l'herbe, regardez la texture du bois. Et c'est vraiment joli de jouer sur un jeu comme ça. Surtout quand t'as pas l'habitude de voir ça. Les montagnes au fond, même l'aspect de crafting. J'ai envie de voir qu'est-ce qui se passe quand il va dans l'eau. Vas-y frérot, vas-y. Waouh, comme les turquoises et tout. Ah ces mecs, c'était mes étés ça, c'était mes vacances. J'ai passé mon temps sur le jeu en fait. Waouh. Là le réalisme va même plus loin, mais dans l'animation de comment un arbre se pète. Waouh. Même quand il pète les constructions, ça se détruit en plein de morceaux différents. Oh. Wesh, ça ne doit mettre ça. Ah, je voudrais pas forcément jouer à ce mode-là, je vais pas vous mentir. C'est l'histoire du cochon réaliste, mais en version mob. Montre-moi l'explosion. Waouh. Ah oui, attends, mais celui-là, c'est un autre niveau, ma gueule. Oh, mais tous les blocs, comment tu fais pour les récupérer, mon gars? Oh, ouh, le feu. Ouh, le feu. Ouh, là, l'attaque à graphique. Ah, moi, à l'époque, c'était pas possible. Les PC étaient pas assez puissants. Je sais pas si vous en souvenez, mais sur Fortnite, quelqu'un aussi avait rendu le jeu ultra réaliste. Et boum, voici à quoi ça rendait. Stylé, non? Il paraît que ça va pouvoir arriver dans le futur de Fortnite grâce au créatif 2.0 qui nous permettra de faire nos propres packs de textures comme sur Minecraft et nos propres mode, truc de malade. Attends, Fortnite sur la... Attends, quoi? Oh. Oh my god. Oh. Fortnite sur la lune. T'imagines le mode qu'on pourrait faire? La map, elle est là-bas, frérot, hein. Ok, oui. Waouh. C'est une dinguerie. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. 70 000. Et je fais une vidéo où cette fois-ci, je joue en regroupant tous les modes les plus réalistes de Minecraft. Si mon PC tient pas, je mettrai la thune pour m'acheter la meilleure carte graphique, ok? J'espère que t'auras passé un bon moment, frérot. Si c'est le cas, Golden Chain dans la boutique Fortnite, merci à ceux qui me soutiennent. Abonne-toi à la chaîne si t'es nouveau. Et surtout, geek comme un porc. Je t'invite à cliquer sur cette vidéo si tu veux en voir davantage. C'est une masterclass. C'était Chain. Ciao, bye. C'est merde.